est effectif, la station intercommunale de Vendôme-Saint-Ouen-Mélay-Arennes est opérationnelle ou presque. Le 7 janvier ont commencé le transfert des effluents et fin février, ces transferts seront terminés. C'est une station de 37 500 équivalents habitants pour un coût global de l'opération de 18,5 millions d'euros. Le système choisi est original, il est innovant et l'environnement est particulièrement soigné. Soigné au niveau du traitement des boues qui seront centrifugées, au niveau des odeurs, puisque le carbone va jouer pour l'élimination des odeurs pour l'environnement direct, et le paysage est particulièrement traité également en bordure ainsi que la clôture. Enfin, l'ancien site de la station d'épuration de Vendôme sera traité avec un projet urbain ultérieur.